Cours 14, extrait de physique-chimie STI2D aux éditions de la Grave. Dans ce cours, nous allons parler des combustions, nous allons faire le bilan énergétique d'une combustion complète et faire aussi pas mal de révisions du programme de première. Alors, en première, il a déjà été vu qu'une combustion nécessite un combustible, un comburant et une source d'énergie. Le combustible, c'est ce qui brûle, le comburant, c'est ce qui lui permet de brûler, généralement c'est le dioxygène de l'air, et une source d'énergie pour amorcer la combustion. Alors, on dit amorcer la combustion parce qu'en fait, une combustion, c'est quoi? Si on prend par exemple des atomes de carbone qui sont comme ceci, eh bien ils sont heurtés par des molécules de dioxygène qui sont dans l'air et qui sont agitées puisqu'on est à l'état gazeux, puis ces molécules viennent ici et heurtent les atomes de carbone. Et puis, si l'agitation est suffisante, si les molécules sont suffisamment agitées, eh bien, en fait, on va former une nouvelle molécule qui est plus stable, qui est constituée d'un carbone et de deux oxygènes. Donc, on va avoir la réaction chimique qui est qu'un atome de carbone plus le dioxygène va donner cette molécule qui est le dioxyde de carbone, et ça s'écrit sous forme d'un bilan, C plus O2 qui donne CO2. Voilà. Alors, quand on brûle un hydrocarbure, eh bien, on forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Pourquoi? Un hydrocarbure, c'est une espèce chimique constituée de carbone et d'hydrogène. Prenons par exemple le propane, c'est C3H8. Alors, pourquoi C3H8? C3H8, c'est tout simplement parce que quand on dessine la molécule de propane, ben on prend trois carbones qui sont reliés les uns aux autres, et chaque carbone étant tétravalent, c'est-à-dire qu'il fait quatre liaisons, eh bien on voit qu'on peut rajouter tout autour des atomes d'hydrogène qui, eux, ne forment qu'une seule liaison. Et on voit que je vais en faire 8. D'une manière générale, je vais mettre 2 hydrogènes par carbone, plus 2 hydrogènes de part et d'autre, ce qui fait que la formule générale d'un alcane, c'est celle qui est entourée ici, c'est CnH2n plus 2. Un alcène, comme par exemple le propène, c'est une espèce chimique dans laquelle il y a au moins une double liaison. Alors mettons ici qu'on ait le carbone et qu'il y ait une double liaison entre ces deux carbones, entre les deux premiers carbones. Eh bien ici, je vois que voilà, c'est le carbone et l'autre ici. Alors je vois ici que ce carbone a déjà deux liaisons, donc il n'y a plus que la place pour deux hydrogènes. Ce carbone ici, il a déjà trois liaisons, il n'y a plus que la place pour un hydrogène. Et ce carbone-là a déjà une liaison, il y a encore la place pour trois hydrogènes. Et si je fais mes comptes, j'ai ici 6 hydrogènes pour 3 carbones, ce qui fait que la formule générale d'un alcène, c'est CnH2n. Donc en gros, on met deux fois plus d'hydrogène que le nombre de carbones. Pour un alcool, c'est un peu pareil. Alors prenons par exemple le cas de l'éthanol, CH3, CH2. OH, un alcool, c'est une molécule dont un groupe caractéristique, c'est le groupement hydroxyde, OH. Alors ce groupement OH, il prend une place finalement. Et on voit ici, donc il prend une place, il prend une liaison sur un carbone. Donc ici, j'ai trois autres carbones, j'en ai trois autres ici. Et je vois que pour l'éthanol, sa formule, ça sera C2H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, O. Et donc on voit la formule générale ici des alcools qui est aussi CnH2n plus 2O. Une équation de combustion complète. Avant de parler des tests, avant de parler des équations, on va parler rapidement des tests qui ont été vus en première. Donc, le dioxyde de carbone est un gaz qui trouble l'eau de chaux. On peut le reconnaître ainsi. Il suffit de faire barboter ce gaz, de faire des bulles ou de le mélanger avec l'eau de chaux qui est une solution qui contient des ions du carbonate, de l'hydroxyde de sodium, calcium, de l'hydroxyde de calcium, et en fait ça se trouble parce que ça forme du calcaire, des petits grains calcaires dans l'eau. L'eau
H2O fait bleuir le sulfate de cuivre anhydre. Donc, le sulfate de cuivre anhydre, c'est une poudre qui, quand elle est chauffée fortement et déshydratée, elle est blanche. Et quand elle se réhydrate, elle reprend une couleur bleue. C'est comme ça qu'on peut détecter la présence d'eau. L'équation de réaction de combustion complète d'un hydrocarbure s'écrit de cette façon. C'était déjà au programme de première, mais on va le revoir en détail en terminale, ainsi que la notion de pouvoir calorifique qui arrive tout de suite. Alors, combustion complète. Ah, on n'a pas parlé des combustions incomplètes. Les combustions incomplètes, par opposition aux combustions complètes, c'est quand la combustion ne génère pas que du dioxyde de carbone et de l'eau. Elle se forme souvent lorsqu'il manque de dioxygène. À ce moment-là, la combustion, au lieu de ne former l'atome de carbone, au lieu de s'associer avec deux atomes d'oxygène ne s'associent qu'avec un seul atome d'oxygène par manque de dioxygène, et dans ce cas, ça va faire la molécule qui s'appelle le monoxyde de carbone, et dont la formule est CO. Il se peut aussi qu'on forme des suies, où c'est en fait c'est des petites particules. Bon, il peut y avoir des corps très complexes, mais les suies contiennent aussi des particules qui font du noir, tout simple. C'est des particules de carbone, c'est des atomes de carbone qui partent tout seuls. Hein, donc on voit bien que l'atome de carbone qui s'en va tout seul, qui n'est pas fini de brûler, eh bien en fait il va pouvoir encore brûler à condition de s'associer à du dioxygène pour former le dioxyde de carbone. Alors, en cas de combustion complète, où tous les réactifs sont, enfin où on a assez d'oxygène pour pouvoir faire brûler complètement tout le combustible, à ce moment-là, on ne forme que de l'eau et du dioxyde de carbone, et on va pouvoir équilibrer l'équation de combustion d'un hydrocarbure. Alors là, elle s'écrit, on peut le démontrer de manière générale avec CN et un indice N pour le nombre de carbone et un indice M pour le nombre d'hydrogène, mais on peut aussi tout simplement apprendre à l'équilibrer pour des cas plus particuliers. Par exemple, on était toujours au propane tout à l'heure, C3H8. Alors, C3H8, c'est du propane, ça brûle toujours dans le dioxygène et ça forme toujours du dioxyde de carbone et de l'eau, et ça forme uniquement ça lorsque la combustion est complète. Bon, alors cette équation bilan n'est pas équilibrée. On voit qu'il y a trois carbones dans le propane et nous n'en avons que trois dans le dioxyde de carbone, ce qui fait qu'il faut rajouter un 3 pour équilibrer l'équation. Nous avons 8 atomes d'hydrogène, nous n'en avons que 2 ici. On voit qu'on peut rétablir l'équilibre en mettant un 4 devant H2O, donc il s'agit de 4 molécules d'eau. On ne peut pas modifier le petit 2 ici, la molécule d'eau, c'est comme ça, c'est H2O, on ne peut pas le changer. Par contre, on constate qu'il va s'en former 4. Donc on a ici 6 atomes d'oxygène. Et ici, 4 atomes d'oxygène, ça fait en tout 10 atomes d'oxygène dans les produits. Et dans les réactifs, on voit qu'on n'en a que 2 dans le dioxygène. Donc, il faut 5 molécules de dioxygène. Et donc, au final, voici quels sont les réactifs. Les réactifs, c'est ce qui réagit. Voilà quels sont les produits. Les produits, donc c'est ce qui est produit par la réaction. Donc on peut écrire l'équation bilan sous cette forme, C3H8 plus 5O2 qui donne 3CO2 plus 4H2O. Alors si maintenant on a un alcool, prenons par exemple le propanol. Alors je vais enlever tous les coefficients que j'avais écrits, et puis on rajoute ici un O, donc c'est que parce que c'est un alcool, on l'a vu tout à l'heure, bah c'est comme le propane, sauf qu'on a inséré un atome d'oxygène qui va faire du propanol. Bon, alors comment est-ce qu'on équilibre ceci? Ça devient encore un petit peu plus compliqué. On fait toujours comme tout à l'heure, on équilibre les carbones. Donc on a ici trois carbones. Les hydrogènes, on en a toujours quatre.
On en a toujours 4. Donc ici, on a toujours 10 oxygènes, mais comme on en a déjà un dans la molécule ici, il en faut plus que 9 pour le. Il en faut plus que 9 qui provient du dioxygène. Et comme ils viennent par deux, eh bien, on va pouvoir écrire 9 demi. La fraction un demi, c'est on a le droit de l'écrire dans des équations de chimie. On n'écrit pas de nombre à virgule dans les coefficients stoichiométriques, mais le demi est autorisé. Donc si on calcule tout ça, 3 carbones, c'est équilibré, 8 hydrogènes, c'est équilibré, et on a 9 demi fois 2, donc on a 9 oxygènes ici, plus 1 ici, ça fait 10, et on retrouve bien les 10 oxygènes qu'on a dans les produits. Pour les alcènes, ça serait la même méthode pour équilibrer l'équation. Réactif limitant et bilan de matière. Alors cette partie, je vais la résumer parce qu'en fait c'est une partie assez importante du programme de première et je ne vais pas pouvoir tout réexpliquer, à moins de refaire tout le cours de première. Quand on a une réaction chimique, on a un réactif qui peut être limitant. C'est celui qui disparaît quand la relation est limitée parce que il manque un des deux réactifs. Par exemple, si on a une réaction où il y a une molécule A qui réagit avec une molécule B, eh ben, peut-être qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de molécule B et puis il reste des molécules A. Dans ce cas, on dira que B est le réactif limitant. Alors ici, on appelle A, B, C, D en grandes lettres des molécules hein, qui pourraient être, ça pourrait par exemple être CH4, B, ça pourrait être du dioxygène. Et donc on écrit cette équation ici pour généraliser au maximum avec des coefficients quelconques. Alors comment est-ce qu'on définit cette notion de réactif limitant? On va voir sur cette animation qu'on a ici, par exemple, une réaction de type A. Alors, on va choisir. On a A plus B qui donne C. Voilà. Alors, les coefficients stoichiométriques là sont choisis égaux à 1, 1 et 1. Donc, si au début j'ai 1,5 mol et 1,5 mol de A et de B, ils sont dans ce qu'on appelle les conditions stoichiométriques. C'est-à-dire que si je fais la réaction, eh bien, en fait, les deux vont baisser à la même vitesse et il va se former à la fin 1,5 mol, puisque j'en avais 1,5 de celui-là et 1,5 de celui-là, donc on produit 1,5 de celui-là. Dans ce cas-là, je n'ai pas de réactif limitant. Par contre, qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai 2 mol du premier et j'ai toujours 1,5 mol de l'autre? Dans ce cas-là, alors on va. On va animer la réaction. On voit qu'on est parti avec plus du rouge du réactif 1 que du réactif 2. Donc forcément, au bout d'un moment, il reste de celui-là et on n'a pu former que 1,5 mol de celui-là. Le réactif limitant, c'est le 1. Mais par contre, le réactif limitant, ce n'est pas toujours celui qui est en plus faible quantité. Parce que ça dépend aussi des coefficients stoichiométriques. Parce que si par exemple j'ai une réaction ici où j'ai besoin de 2A j'ai besoin de 2A pour réagir avec un B et donner un C, et bien à ce moment-là, voilà ce que j'ai. Au début, j'avais effectivement, alors on va le refaire et on va aller un peu moins vite. Au début, j'avais effectivement plus du réactif 1 que du réactif 2, sauf que lui, il se consomme deux fois plus vite parce que j'ai un coefficient 2 ici. Ce qui fait que c'est bien lui qui va être le réactif limitant. Alors comment on fait pour savoir si un réactif est limitant? Eh bien, il y a une méthode qui consiste simplement à prendre le nombre de moles qu'on a du réactif et de diviser par le coefficient stoichiométrique. Ici, ça me donne 1. Je prends ce nombre de moles-là, 1,5, mais je le divise par 1 parce que j'en ai besoin que d'un à chaque fois que la réaction a lieu. Donc ça me fait 1,5. J'ai d'un côté 1 et 1,5. Je vois que le réactif limitant, c'est bien le A, c'est celui qui est caractérisé par le plus petit nombre. C'est ce qu'on va retrouver dans votre cours qui est ici. Donc le nombre de réactifs, la quantité de matière du réactif A divisé par le coefficient stoichiométrique A. S'il est plus petit que la quantité de matière de B divisé par le coefficient stoichiométrique de B, alors A est le réactif limitant. Alors, si A est le réactif limitant, eh bien, dans ce cas, on va avoir le nombre, la quantité de matière de C qui va être formée, qui dépend de la quantité de matière qu'on avait de A. Alors, prenons l'exemple, si j'avais un coefficient stoichiométrique de 1 pour A plus 2B qui va me donner 3C plus 1D, par exemple, eh bien, dans ce cas-là, si.
Si j'avais si A est limitant, si le réactif A est le réactif limitant, donc je sais que du B j'en ai en excès, donc j'ai pas besoin de calculer effectivement combien il va m'en rester. Mais si par exemple j'avais 3 mol de A, eh bien forcément à la fin, donc ça à mon état initial, donc ici j'en avais une quantité qui est en excès. Ici au début j'en avais 0 et 0, ça c'est l'état initial. À l'état final, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, celui-là, il va être entièrement consommé. Là, j'en ai toujours, donc je mets excès. Je ne sais pas combien il y en a exactement, mais je sais qu'il était en excès. Par contre, ici, je vais former 3C pour 1A. Si j'avais 3A, en tout, je donnerais 9 mol de C. Voilà. Et pour D, je forme 1D à chaque fois que j'ai consommé 1A. Donc si j'avais 3A au départ, je fais 3D à la fin. 3 mol de D. À chaque fois, on parle en mol en chimie. Et on rappelle qu'une mol, c'est tout simplement une quantité égale à 6,02 10 exposant 23. Donc, par exemple, une mol de molécule A, une mol de méthane, c'est 6,02 10 exposant 23 molécules de méthane. Voilà. On peut enfin faire des calculs de réactifs limitants qu'il reste. Tout ça peut se calculer, mais ces formules générales ne doivent pas être apprises par cœur. Il vaut mieux comprendre la logique de ce qu'on a, de comment ça se consomme, pour pouvoir faire des calculs sur ce qui reste tout simplement. Tout ça fait partie du programme de première. Et donc ici, on l'a survolé de manière rapide. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que quand on a une réaction chimique, eh bien, il peut y avoir des réactifs limitants. Alors, pour revenir au problème un peu plus concret de la combustion et des combustibles, de la production de chaleur avec des appareils de chauffage, eh bien, nous allons essayer pour les appareils de chauffage d'être toujours dans une situation où la combustion est complète. Alors, pour plusieurs raisons. Parce que si la combustion est incomplète, d'abord, on produit moins d'énergie que ce qu'on pourrait produire. En plus, ça produit du carbone, d'essuie, du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est toxique. L'essuie et le carbone, ça encrasse les cheminées. Donc, il faut absolument essayer d'apporter suffisamment d'oxygène pour que la combustion soit complète. Alors, quand la combustion est complète, eh bien, la quantité d'énergie produite, la quantité d'énergie thermique produite est directement proportionnelle à la masse du combustible, et on va avoir l'énergie formée, libérée, l'énergie libérée sous forme d'un transfert thermique en joules, qui va être tout simplement proportionnelle à la masse de combustible. Et donc c'est la masse de combustible fois le pouvoir calorifique. Donc il est souvent exprimé en mégajoules par kilogramme, auquel cas ici on va avoir un transfert thermique exprimé en mégajoules, à condition d'avoir ici une masse de combustible exprimée en kilogrammes. Ceci est le pouvoir calorifique sans distinction inférieure ou inférieure, mais il existe une petite nuance qu'on va voir ici. On distingue le pouvoir calorifique inférieur qui est celui qu'on peut récupérer quand on brûle quelque chose, mais que l'eau se libère sous forme de vapeur. On a vu que cette vapeur, on peut chercher à la condenser sur un refroidisseur de fumée, on pourrait dire ça comme ça, et en fait, cette condensation va libérer de la chaleur. Et pourquoi elle libère de la chaleur? Il faut penser à l'inverse. Si vous voulez vaporiser un liquide, il faut lui apporter de l'énergie thermique. Quand le phénomène inverse se produit, la condensation libère de l'énergie thermique, et donc on récupère de l'énergie thermique en condensant la vapeur d'eau qui se trouve dans les fumée de combustion. Si on récupère cette énergie, alors on va parler de pouvoir calorifique supérieur, parce que pour 1 kg de combustible, eh bien on va pouvoir en récupérer plus d'énergie que si on n'a pas récupéré l'énergie provenant de la condensation de la vapeur d'eau. Voilà. Le pouvoir calorifique supérieur peut être exploité dans ce qu'on appelle des chaudières à condensation, qui sont des chaudières dans lesquelles on a un système de refroidissement des fumées qui permet de condenser la vapeur d'eau.
Bilan énergétique, eh bien, ces combustions sont exothermiques, elles libèrent de l'énergie sous forme thermique parce que les produits de la réaction de combustion sont plus stables que les réactifs. Alors, on va essayer d'expliquer ça, c'est pas si simple que ça, mais prenons ici un axe où on écrirait donc une énergie. En fait, chaque molécule peut être considérée comme ayant un certain niveau d'énergie. Alors, par exemple, l'énergie, si on prend la réaction C plus O2 qui donne CO2, eh bien, le carbone serait constitué, enfin, serait caractérisé par un certain niveau d'énergie. Donc l'ensemble, on va dire carbone et oxygène, donc le système chimique caractérisé par ces deux molécules est caractérisé par un certain niveau d'énergie. Et on a le dioxyde de carbone qui est situé à, qui est une molécule dont l'énergie est située un petit peu plus basse. Donc on va pouvoir spontanément passer d'une énergie haute à une énergie basse, enfin spontanément, pas tout à fait, parce que pour que la réaction se produise, on a besoin d'agiter, d'exciter un petit peu le système, en gros oui, d'agiter le carbone et l'oxygène pour qu'ils s'entremêlent et forment la molécule de dioxyde de carbone. Et ça nécessite ce qu'on appelle une énergie d'activation. Donc ça, c'est l'énergie d'activation qui va être apportée par exemple, la petite flamme de l'allumette pour allumer un feu de bois. Donc une fois qu'on a apporté cette énergie, eh bien, on forme les réactifs et au final, on a pu récupérer toute cette énergie-là. Là, ça, c'est l'énergie récupérable. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Alors l'énergie d'activation, il faut la donner au départ, mais par contre, on la récupère ici en partie, et après, on en récupère encore plus, on récupère après l'énergie liée à la combustion du combustible. Alors, la quantité de matière en mol, donc ça c'est un petit rappel donc la masse molaire, la masse d'une mole de molécules, ça s'exprime en grammes par mol. Donc la formule de la masse molaire, c'est une masse, c'est la masse de l'espèce chimique divisée par la quantité de matière de l'espèce chimique. Donc ça c'est simplement cette formule, remise à l'endroit. La masse, c'est la quantité de matière fois la masse molaire. On peut avoir un exercice de ce type-là où on ne donne pas la masse d'éthanol qu'on a fait brûler, mais on a donné la quantité de matière. Par exemple, fait brûler 0,5 mol d'éthanol. Dans ce cas, la masse molaire de l'éthanol va pouvoir être calculée grâce au tableau périodique. Alors, on peut faire un petit rappel pour cette masse molaire. Dans le tableau périodique, on va trouver que la masse molaire du carbone, c'est 12 grammes par mol. Que la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 gramme par mol et que la masse molaire de l'oxygène c'est 16 grammes par mol et au final la masse molaire de l'éthanol ici bah, ça va être 2 fois celle du 2 fois 12 parce que c'est celle du carbone. On a 6 atomes d'hydrogène, donc 2, 6 fois 1,0. Souvent, on a des 0,0 ici. On connaît les masses molaires au dixième de gramme. Plus celle de l'oxygène qui est 16. Et donc la masse molaire de la masse molaire de l'éthanol, ça sera donc 2 fois 12, 24, plus 6, 30, plus 16, ça va faire 46 grammes par mol. Donc si la masse molaire de l'éthanol, c'est 46 grammes par mol et qu'on en a 0,5 mol, eh bien ça nous permet de faire le calcul qui n'était pas détaillé ici et de dire qu'on va en avoir 23 grammes. Auquel cas, 23 grammes, c'est aussi égal à 0,023 kg. Il faut faire attention d'être bien homogène dans les unités, puisque le pouvoir calorifique s'exprime souvent en mégajoules par kilogramme. Donc là, on a 23 grammes divisé par 1000, ça va être des kilogrammes, multiplié par 28,8 mégajoules par kilogramme. Donc ça serait donné dans l'énoncé, hein. On dirait par exemple que le PC de l'éthanol
Ça serait égal à 28,8 mégajoules par kilogramme. Et donc, le calcul va nous permettre d'obtenir assez facilement 0,023 fois 28,8 égale 0,66 mégajoules. Voilà, donc quand on brûle 0,5 mol d'éthanol, c'est de l'alcool à brûler tout simplement, c'est-à-dire 23 grammes d'éthanol, 23 grammes, c'est ce qu'on va trouver dans un quart de verre qui servira à boire, par exemple. Eh bien, on va libérer 0,66 mégajoules, ce qui ferait, écrit autrement, 660 kilojoules. Et on voit que ça fait quand même pas mal d'énergie. Les combustibles, que ce soit de l'éthanol ou les hydrocarbures, sont vraiment des réservoirs d'énergie très très concentrés. C'est pour ça que le pétrole et tous les hydrocarbures sont des sources d'énergie très très importantes, parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans peu de masse.